le métal aujourd'hui, pour faire très rapidement un petit portrait global de ce qui s'y passe, le métal aujourd'hui, c'est quand même une énorme évolution. On a plein de ramifications et on a plein de réappropriations. On fait plein de nouveaux crossovers de musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, dans le métal, on va vous intégrer du rap. Ça a été fait dans les années 90, mais ça se redéveloppe aujourd'hui. On va intégrer de l'électro. Je pense entre autres au phénomène deathcore aux États-Unis. Vous prenez un label comme Sumerian Records, il y a de l'électro dans pratiquement toutes les chansons. Donc, la réutilisation d'autres instruments. Aujourd'hui, dans la musique métal, on atteint plein de choses. Le Pagan, on a un très bon exemple. On va instaurer, voilà, en avoir d'autres en management. Et puis pour avoir eu les amis des acteurs de Londres qui étaient là tout à l'heure avec le Carnunos, on retrouve forcément cornemuse, flûte, moins en France mais dans d'autres pays scandinaves, les harpes. On retrouve une quantité d'instruments qui apparaissent, qui sont réutilisés dans cette musique métal, qui vont apporter quelque chose de nouveau. Ça a été fait avec le violon dans le rock il y a plus de 20 ans. C'est vraiment quelque chose de novateur. On fonde des groupes autour des instruments celtes avant de les fonder autour des instruments de guitare, basse, batterie. C'est quelque chose d'assez récent. C'est apparu depuis le milieu des années 2000. Et puis plein de sous-styles qui expliquent qu'on retrouve les premiers acteurs de la musique métal. Aujourd'hui, on a quand même une résurgence du côté stoner, du côté vieux groupe, ce qui fait que vous retrouvez toujours... je reciterai Ben Bardo lors d'une conférence qu'on avait fait ensemble et qui me disait de toute manière, vous mettez un nom en groupe des années 70-80, ça ramène quand même... On a tous envie de voir Ozzy ou Lemmy avant qu'ils créent l'âme, clairement. Ça marche toujours. Vous mettez un nom d'un groupe qui ne joue jamais, Motley Crue ou Hellfest, ça fait carton. C'est très spécifique. On a tous envie de revoir ces vieux groupes-là une fois. Donc, mettre des vieux noms. Ce qui donne aussi un indice très intéressant sur le public métal, pour y revenir dans quelques secondes, c'est que la musique métal est un public quand même qui est cultivé par rapport à sa propre musique. Vous allez demander à la variété française ce qui sortait il y a 15 ans, ils ne le savent pas. Vous allez demander à un public de métal ce qu'il y avait dans les années 90, il y a plus de chances de connaître. On a fait un test. 80% des métalleux savent ce qu'il y avait il y a 15 ans. Dans les grandes lignes, trois groupes des années 80-90 savent le faire. Vous allez le faire dans la variété, l'estimation du temps n'est pas du tout bonne. On a moins de 40% de réussite. C'est-à-dire qu'on a deux fois plus de connaissances dessus. Alors, pour finir, le Metal Prog, OPES, quand même, faut quand même citer, avec un très bon bouquin de Nicolas Bénard, fait avec Robert Kula, sorti aux éditions Camion Blanc il y a peu, qui fait une biographie d'OPES qui est géniale. Le Deathcore, qui est quand même un phénomène d'actualité, qui punch depuis un petit moment aux États-Unis et qui punch de plus en plus en France. Vous avez quand même pas mal de groupes qui partent. Vous avez Betraying the Martyrs, je crois, à Paris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous avez Quintessence of Versality, vous avez Beyond the Sticks à Tours, vous avez Karma to Burn, ouais, c'est ça, de Nantes. Non, c'est Karma Zero à Nantes, et c'est Karma to Burn, le groupe ricain, c'est ça. Donc on a plein de groupes très intéressants qui se développent. Alors pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas le Deathcore, Parkway Drive, on va essayer de prendre les plus connus qui ont bien rempli les derniers Hellfest. Alors pour le Deathcore, avec un style vestimentaire particulier, qui est plus issu du milieu surfeur américain que du milieu death ou black metal des années 80-90. Donc une évolution notable. J'essaie de faire rapide sur l'émission Une Dose de Métal. Je pense que s'il y en a certains qui suivent un peu l'actualité, Une Dose de Métal devrait vous parler. L'émission développée depuis un an par Stéphane Burrier, chanteur de Loudblast, producteur, je crois que l'année prochaine on fêtera les 30 ans de Loudblast, si je ne me plante pas, ou 25 ans. C'est leur date anniversaire avec tous leurs copains du Bal des Enragés. Donc Stéphane Burrier, que pour les plus anciens on a tous connu avec une choucroute géante, fini avec les cheveux très courts aujourd'hui, qui anime toutes les semaines une émission de télé. Ce qui est intéressant, c'est quand même une énorme forme de reconnaissance, même si c'est sur une chaîne non du bouquet TNT, d'avoir une reconnaissance de cette musique dans une chaîne spécialisée, avec un créneau spécialisé et fait par quelqu'un qui est spécialisé dans la musique. Si c'est pour faire comme on a fait pendant des années, recevoir des groupes comme Metallica par des gens qui ne les connaissaient pas, ou qui confondaient le hard rock avec le black metal, ou qu'on voyait les interviews de Manson à l'époque où il passait sur les plateaux d'Ardisson, c'était autre chose. Là, on a quelqu'un qui connaît son boulot, qui connaît les artistes et qui sait de quoi il parle. Et puis on a une explosion quand même de la scène FR, on peut pas le cacher, la scène française aujourd'hui pour trouver des concerts de métal, même pour ceux qui sont pas de Paris comme moi, on en trouve quand même plein en province. Avant, il fallait toujours qu'on monte à Paris pour voir un concert. Aujourd'hui, ça se développe avec l'influence de partenaires, de gens dans le local qui se bougent. Je parlerai principalement de Gojira,
très connu pour s'être exporté en première partie de Metallica, qui arrive quand même à rassembler une quantité de monde folle au Hellfest. Dagoba, qui s'exporte de plus en plus, qui font leur dernière date en France sous peu avant de partir pendant 2 mois aux États-Unis avec Darren Gray. Et puis les groupes locaux, pendant cela, voyagent de plus en plus. Les petits groupes vont faire de plus en plus de déplacements, continuent à prendre la route comme ça se faisait avant. Mais bouge, Arcania, Danger, ça fait 3 ans sur le dernier album en faisant une quantité astronomique de dates. Les groupes qui suivent sont les groupes de tour avec lesquels je travaille régulièrement, Dragvald, en Pagan, qui n'arrête pas de tourner, qui sortent un album bientôt, qui ont fait plus de 40 dates avec une démo. Pendant 2 ans, ils ont tourné, ils ont fait 40 dates. Ce qui veut dire qu'on adapte son emploi du temps avec ça. Aiden en Metal Sympho, qui se développe aussi. Beyond the Sticks, qui est un groupe qu'on voit partout. C'est un genre de petit groupe de tour qui paye pas de mine et qui se déplace un peu partout. De Paris in the Guise of Men, qui essaie de s'exporter de plus en plus. Voilà, ça fait partie de cette génération aujourd'hui. Le groupe local aujourd'hui en France est obligé de se bouger. Souvent à perte. Vous verrez d'ailleurs qu'on a des groupes comme Clone qui, pour réussir à faire une belle tournée, sont obligés de demander des partenariats, de demander à leurs fans de participer, puisque aujourd'hui, se payer une tournée à l'étranger, ça coûte horriblement cher, et qu'aujourd'hui, on est dans la logique où la tête d'affiche, elle est payée hors de prix, et puis le petit groupe qui va faire la première partie, bah, il paye pour jouer. Il paye lui-même ses frais de déplacement, il paye lui-même son bus, l'endroit où il dort, hein, ce qui fait qu'il dorme soit chez l'habitant, soit dans leur tourbus. Quand on est 3 dans le groupe et qu'on a un vieux groupe de heavy trash, c'est cool. Quand on est 10 dans le groupe ou 6 comme Clone, dormir à 6 dans un minibus, ça devient un peu plus compliqué. Donc je finirai sur le métal d'aujourd'hui en vous disant qu'il y a une vraie ère de la reconnaissance. En Espagne, depuis le début des années 2000, on a une rue ACDC à Madrid. Je vous souhaite d'avoir un jour la même chose à Paris. On a les films quand même qui arrivent à se payer le box-office. Je reviendrai pas sur la prestation de Frozen Ever vue récemment. Mais on a également des personnes comme Rob Zombie, qui ont fait quand même pas mal de films grâce à leur notoriété en tant qu'artiste, dont le dernier devrait être bientôt accessible en DVD, Lords of Salem. Et puis le métal dans les BO. Aujourd'hui, le métal, on en trouve dans les BO. Alors ça a commencé dans les années 80-90, c'était très peu vu. On a eu Spawn, fin des années 90. On a eu Triple X avec Rammstein, qui jouait même dans le film en intro. On a eu Mission Impossible 2, avec l'intro par Metallica, la deuxième par Metallica, première par Limp Bizkit. Oui, générique par Limp Bizkit et I Disappear de Metallica. Zombieland, qui commence avec un passage monstrueux avec Metallica. Pour ceux qui ont vu le film. Et puis, on a du métal à la télé, en bien ou en mal. Les reportages bougent de plus en plus. Donc j'en arrive enfin à la fin à peu près de cette historique qui a duré beaucoup plus qu'un quart d'heure. Voilà, je vous donne quelques affiches avec les lieux de rassemblement que vous pouvez trouver. Le Hellfest, aujourd'hui, le plus gros rassemblement de France. On a plus de 40 000 personnes par jour quand on est en sold out. Sinon, c'est aux alentours de 30 000. Vous avez le Sony Sphere, qui, bien 2 ans que sa deuxième, troisième édition en France se développe avec des énormes. Troisième, avec une édition Big Four. Ah oui, première édition Big Four, deuxième édition Evanescence à la place de Big Four, et troisième année Carol Maiden. C'est vrai que c'est. Avec Evanescence qui en plus avait annulé, si je me plante pas. Et Motoculteur Festival, donc, qui se déroule en Bretagne, donc à Saint-Nolf, depuis l'année dernière. Pour nos collègues des acteurs de l'ombre, le Black Metal Is Rising, que vous allez avoir bientôt à Paris, qui s'enchaînera d'ailleurs avec leur Carnunos. Et juste à titre indicatif, voilà le type d'affiche que nous on fournit à côté, voilà, avec 5 groupes, dont 3 locaux, 2 nationaux, histoire de ramener un peu du monde sur tour, voilà. Les différences d'affiches. À Paris, ce qu'on peut avoir comme type d'affiche, qu'on peut avoir aussi en province. Je ne dirais pas que c'est beaucoup plus compliqué de ramener en province qu'à Paris, mais c'est très différent aussi le fonctionnement des affiches. On pourra en faire toute une étude. Alors j'arrive à mon public métal. Mon public métal, qu'est-ce qu'il est ? De manière générale, le public métal, il a une sorte de costume métal. On a tous un insigne, quelque chose qui nous rappelle notre appartenance au milieu métal. Quand c'est pas les vêtements, c'est la coupe de cheveux. Quoique les cheveux se raccourcissent depuis quelques années, ça fait bizarre pour les anciens. Pour les plus anciens, c'est normal, ça tombe. Mais c'est aussi que ça se raccourcit aussi dans les styles vestimentaires. On a des signes distinctifs, des patchs, des bijoux, les marques corporelles. On est quand même un public majoritairement tatoué, percé. Si bien que dans les études faites, alors je vous donne des chiffres donnés par un collègue sociologue qui a travaillé sur le Hellfest. Au Hellfest, en 2009-2010, il y avait 80% d'hommes. C'est intéressant. 26 ans de moyenne d'âge, mais un tiers qui a plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on a quand même des gros écarts entre le 18-22 et le 30-35. Seulement 6% de chômeurs. On est en dessous de la moyenne nationale, c'est déjà pas mal. Faut mettre aussi en prorata que la place du Hellfest, elle est à 150€. Par contre, phénomène intéressant, 70% au minimum le bac ou plus, et quand on regarde dans les autres études, on a quand même une grosse partie du public à bac plus 3.
Donc c'est un public qui est quand même qui fait des études. Moi, dans les entretiens que j'ai réalisés, j'en ai fait une cinquantaine plus observations, on a quand même repéré que 5% de gens, entre les entretiens et les observations, de non-tatoués, non-percés. C'est pas énorme. Ce qui veut dire que le tatouage et le piercing font vraiment partie de cette culture métal à part entière. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, le métalleux s'est tatoué, percé, à l'image de nos artistes, en quelque sorte. Je pense entre autres à Kerry King, on peut pas trop rater qu'il est tatoué, par exemple, ne serait-ce que sur le dessus du crâne. 3% n'ont aucun signe distinctif propre à la musique métal, ni bijoux, ni collier, ni rien, ni coupe de cheveux, enfin vraiment rien du look qu'on pourrait appeler look métal. On pourrait le détailler entièrement, mais ce serait très long. 77% ont les cheveux longs, 17% ont les cheveux très courts ou rasés. Ce qui veut dire que grosso modo, même s'il y a une apparition de cheveux courts dans le métal, les styles de cheveux courts sont quand même très uniformisés. Les 10%, c'est des styles à mi-chemin entre les deux, ou rasés d'un côté, long de l'autre, enfin des crêtes que je ne comptabiliserai pas dans les choix. Et par contre, un port de la couleur noire à 91%. On porte majoritairement du noir, encore plus en festoche apparemment, parce que les observations sont faites sur le Hellfest, mais c'est vrai, un public majoritairement noir. Ce qui fait que quand on entend les reportages qui crachent un peu sur le Hellfest en disant « oui, mais c'est une marée humaine de noir », oui, effectivement, il y a un port majoritairement de cette couleur noire qu'on retrouve très régulièrement dans la musique métal. Ce qu'on repère également, c'est que c'est un public qui, malgré son look particulier, donc cuir, bijoux, piercing, tatouage, on retrouve quand même des looks uniformes, le port des Rangers, le port des baskets, les ports des New Rock, voilà, cette fameuse marque New Rock, il y a quand même des marques qui sont très reconnues. Et une diversification qui s'effectue depuis les années 2000, qui a commencé dans les années 80, qui est tombée en stand-by et qui revient de plus en plus. Le milieu métal, de plus en plus, d'ailleurs ça se voit à l'image de notre salle aujourd'hui, j'aurais fait cette conférence à 10 ans, j'aurais réussi à rassembler autant de personnes à 10 ans grâce à Combo et à l'université, on n'aurait eu que du noir partout dans la salle. On aurait eu l'impression d'être dans certains bars qui font que de la diffusion de un style ou deux de musique métal. Aujourd'hui, à l'image de notre salle, il y a plein de couleurs, il y a différents looks, etc. Ça se diversifie de plus en plus. On est obligé de le reconnaître. Par contre, ce qu'on reconnaît avant tout, c'est que le public métal, aujourd'hui, c'est un peu une mode. Je suis désolé de le dire, c'est un peu une mode. On est un peu le canard boiteux de la musique dans toute sa gloire, c'est-à-dire qu'on est quand même montré du doigt parce qu'on n'est pas comme les autres, mais quelque part cette musique rassemble encore plus dans un contexte de crise économique, de crise on va dire mondiale, où les gens ont besoin de se retrouver dans quelque chose. La musique, ça nous apporte aussi ça, on s'y retrouve. Quand on regarde les études sociologiques et psychologiques sur le métalleux c'est quelqu'un de gentil. Et le métalleux de base, c'est pas quelqu'un de violent, contrairement à ce qu'on croit, et le métalleux considère sa musique comme un exutoire. Il va utiliser cette musique pour, quelque part, être zen le reste de l'année. Combien il y en a qui attendent leur concert à Noël, que c'est... alors si c'est pas le L parce que c'est trop cher, le Motocultor, quand c'est pas le Motocultor, c'est le Carnunos pour les fans de Pagan, le Black Metal is Rising pour les fans de Black, c'est un peu leur soupape de sécurité. Combien il y en a qui économisent aussi pour se payer les entrées, parce que j'ai regardé les prix des différents festoches, et fait, pour un étudiant ça fait mal. Mais voilà, ça fait partie de cette logique. Et on va retrouver une forme identitaire très proche. Et puis on peut dire ce qu'on veut, mais le métal à la mode ça date pas non plus que d'aujourd'hui. Les CD de Metallica au niveau des ventes, AC/DC, le Back in Black, c'est le premier, c'est 50 millions. Dans le milieu hard rock metal, c'est la plus grosse vente. Suivi de Metallica avec le Black Album, avec 30 millions de ventes du Black Album. Tout le monde a au moins écouté Nothing Else Matters une fois, logiquement, dans la salle. Mais il faut aussi se dire qu'il y a eu un côté très commercial, parce que le Black Album, c'est le seul album de Metallica que tout le monde connaît, en dehors. C'est un peu comme Scorpion, avec ses Winds of Change et Still Loving You, que même le nom métalleux connaît, parce que c'est des super chansons balades romantiques, etc. C'est pas représentatif de l'ensemble du métal. Mais on voit bien qu'il y a une forme de démocratisation pour certaines chansons, certains hymnes de cette musique. Aujourd'hui, des grosses questions que j'aurais sur public metal, que j'aurais pas le temps de développer, que j'aimerais beaucoup redévelopper plus tard, c'est avec, entre autres grâce, un forum où on s'est un peu fait attaquer par cette conférence, c'est est-ce que le metal aujourd'hui se démocratise ou est-ce qu'il veut encore rester underground ? Est-ce qu'on est encore dans cette logique où le metal ça se partage ? Ou est-ce que le metal c'est aussi quelque chose qu'on veut garder pour nous, que pour soi, ne pas partager avec le reste du public ? Moi j'ai pris l'option de le partager, d'expliquer aux gens ce que c'était. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est intéressant. C'est pas parce que je viens expliquer la musique métal, en plus pratiquement qu'à des métalleux. C'est vachement bien, ça veut dire... Voilà, on va pas changer le point de vue sur le métal avec une conférence, c'est pas le but. Le but c'est de faire un peu un état des lieux, de voir ce qui s'y passe. Mais on a cette logique.
qui veut garder le métal caché, qui s'en fout que ce soit démocratisé, qui est content d'avoir toujours ses mêmes potes au même concert, mais qui deviennent de plus en plus restreints avec les années, parce que ceux qui font des familles, etc., ils peuvent plus faire autant de concerts qu'avant, et qui sont contents de voir quand même des nouvelles têtes de 18-22 ans qui viennent soutenir la scène locale. Quand on est organisateur, ça change toute une logique quand même, hein, de savoir vers quoi on veut tenir. Et puis, il y a la question de se montrer et du paraître. Parce qu'avant, le look metal, c'était, on peut dire ce qu'on veut, il y a 10 ans, j'aurais été à la mode metal, 15 ans. Sans la veste de costard, mais le reste, ça irait à peu près, avec les pins, etc. Regardez l'évolution du look metal, ça s'extrémise aussi vachement. Alors, si on porte pas des New Rock, dans certains endroits, ça fait bizarre. Vous avez des marques qui vendent que là-dessus, vous avez des magasins spécialisés, où on a l'impression d'avoir le costume metal plié de A à Z. Tout le monde a le même pendentif tête de mort, tout le monde a le même pentacle, tout le monde a la même croix de Baphomet. Enfin, on a quand même une partie qui s'extrémise aussi par les t-shirts, dans les fringues. Aller toujours plus loin, toujours plus trash. À un moment, il faut se renouveler. À un moment, c'est bien beau de renouveler le death ou le black pour prendre des milieux un peu extrêmes. Mais comment on fait pour aller encore plus loin? Est-ce qu'on fait comme Brouhaha qui nous fout les accidents d'un mec qui est passé sous un train en Argentine en photo d'album? Est-ce qu'on fait comme le black metal, ça va se refaire comme en Norvège, il y en a encore un qui va péter un pont et tuer quelqu'un? Ou est-ce qu'on va tirer sur le chanteur préféré parce qu'on est complètement cinglé, qu'on passe pour lui? Enfin, à un moment, le milieu métal, c'est aussi un milieu où il y a des parties qui s'extrémisent, qui partent dans une notion d'aller toujours plus loin. Un peu comme les étudiants, quand on va dans une fac et quand ils font une manif étudiante, on dit on va refermer 68, mais en mieux. C'est un peu le même problème dans le milieu métal, la nouvelle génération veut faire encore plus violent que la génération précédente. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les différents acteurs de la musique, et ce qu'on voit particulièrement dans les danses, propres à la musique métal. Alors, pour accélérer les différents acteurs de la musique, je ne vais pas faire un long inventaire de qui fait quoi, mais grosso modo, les musiciens et les chanteurs aujourd'hui ne vivent pas de leur musique. C'est très rare de voir des musiciens, chanteurs de musique métal qui en vivent. C'est plutôt des gens qui sont multiprojets. Je pourrais citer Guillaume Bidot qui vient de me faire un mastering d'un de mes groupes. Guillaume Bidot, qui est le chanteur de One Way Mirror et Mnemic, pour ceux qui ont connu, il fait du mastering d'album. À côté, il lance sa collection de photos. Vous avez les gars de Dagoba qui ont toujours eu un métier à côté. On a 2-3 groupes qui sont bien intermittents à l'année depuis 2-3 ans. Mais sinon, les autres n'en vivent que très difficilement. Ce qui fait que, pour faire très rapidement l'inventaire de nos petits labels, maisons de disques, producteurs, s'il y en a qui ont des jeunes groupes dans le coin, c'est facile de trouver un label aujourd'hui. Je pense qu'on est tous dans la même galère. Quand on a un groupe à signer en label, les labels sont beaucoup plus frileux qu'avant. Parce que déjà, avant, on vendait 1000 exemplaires, on était contents. Pour une petite sortie. Aujourd'hui, quand on en vend 50 ou 500, c'est bien. Quand les groupes que j'ai en management vendent 500 CD ou 500 EP, il faut être fier d'eux. Sauf que le producteur, il en vit comment derrière? Parce que s'il met 6000 euros sur la table pour que vous alliez enregistrer un bon album dans, je sais pas, un très bon studio comme le Dôme, par exemple, à Angers, il faut quand même se le rentabiliser. Ce qui fait que c'est de plus en plus dur. De moins en moins de producteurs, de moins en moins de maisons de disques. Il y en a quelques-uns qui essaient de survivre, mais c'était difficile. Je pense au chanteur de Misanthrope qui a qui a toujours travaillé et qui a galéré pour garder son label. Des labels donc frileux. Avec quand même, vous avez l'avantage à Paris d'avoir une bonne concentration de personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Je citerai très rapidement Roadrunner, très connus qui sont sur Paris, même s'ils ont depuis qu'ils ont été rachetés par Warner Music. Vous avez quand même pas mal de labels indépendants. Il y a Do It qui se développe bien apparemment sur Paris. Voilà. Donc ça se développe, on a des nouvelles choses qui se font et ça se développe de plus en plus. Pour tout ce qui est tourneur, booker, manager, roadie, organisateur, bon, le roadie est convié à être un bénévole à vie. L'organisateur de concert, quand on voit les salaires développés par le Hellfest et ce qui se paye, l'organisateur de concert, il n'a pas intérêt de vouloir en vivre. C'est dommage que mes amis les acteurs soient partis, je les aurais alpagués là-dessus. Les managers de groupe, pour l'être... Quand vous touchez 10% sur des groupes locaux par date et que les groupes tournent à moins de 50 euros, je vous laisse imaginer que pour en vivre, c'est un peu long. Surtout si vous devez payer une TVA en plus, enfin, ou alors vous vous mettez en asso, mais vous n'êtes pas prêt de toucher de l'argent pour vous. Et puis tout ce qui est booker, aujourd'hui, c'est une activité qui fonctionne de plus en plus pour faire jouer des groupes américains en France, faire jouer des groupes scandinaves en France, et pour jouer de la France vers l'étranger. Mais c'est quelque part quelque chose de très très dur pour en vivre. Moi je citerai mon partenaire et membre de l'asso Libro Smith qui a une très bonne entreprise pour faire fonctionner les groupes, pour les faire jouer. Oui, en hommage à des bons films, son nom, qui fait jouer un maximum de groupes étrangers à l'étranger en habitant en France. C'est-à-dire que c'est un marché très spécifique.
Et puis bah, les tourneurs en France se font de plus en plus rares aussi, parce que c'est de plus en plus dur de monter une tournée, qu'il faut avoir les capacités d'accueil, l'endroit pour stocker les groupes, les faire jouer, et avoir les fonds derrière, parce que c'est bien beau de vouloir croire qu'on fait toujours jouer un groupe de musique, vous le logez comment, vous lui donnez à manger comment, le cachet, est-ce que ça couvre les frais de déplacement, etc. Je vous mettais l'équation en dessous pour vous donner une petite idée. Le prix d'un groupe, c'est généralement le montant d'un concert, c'est le prix d'un groupe avec le prix de la salle, le prix du staff, les déclarations, etc., ça sème les assurances, plus entre parenthèses les bénéfices quand vous en avez. Très dur, ça doit à peu près se blinder entre le prix des groupes, le prix des entrées fois le nombre d'entrées, et généralement je vous souhaite quand vous organisez un concert d'avoir le bar derrière. Le bar chez le métalleux, c'est ce qui rapporte le plus. Vous vendez plus de bière que vous aurez d'entrée, vous en êtes sûr. Si vous n'avez pas le bar, vous allez perdre de l'argent. Invitez un copain pour qu'il monte un stand en face avec une licence exceptionnelle, ça vaut le coup. Et plus des fois les produits dérivés, mais c'est quand même quelque chose de très rare. Voilà. Alors après, pour les chercheurs en sciences sociales, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans une vraie génération, on est tous motivés pour faire des recherches dans le métal. Vous avez Nicolas Bénard, donc, qui écrit des livres plutôt lui d'histoire sur la musique métal, donc Métallorama, qui fait un portrait un peu de l'historique du métal, qui est bien plus complet que le mien, donc à compléter. Alexis Momblet, qui travaille sur le rite dans les concerts, que je reprendrai juste après. Olivier Bobineau sur un aspect religion. Nicolas Walzer, que vous avez sûrement dû voir au moins une fois parler d'anthropologie du black metal, ou dans son ouvrage Satan profane sur le satanisme dans la musique. Donc Jérôme et Christophe Guibert, qui sont deux sociologues qui travaillent évidemment dessus. Et puis un maximum de personnes dans les Metal Studies, sachant qu'en France, nous les premiers dont je vous parle, ils ont commencé fin des années 90, début 2000, tout en sachant très bien que forcément, aux États-Unis, où il y a une vraie culture de l'anthropologie, de la sociologie qui est beaucoup plus ancrée, ont commencé fin des années 70, début 80. Avec Dina Wenschling, entre autres, qui reste un peu un modèle pour moi, puisqu'elle a commencé en étant roadie pour Motorhead, pour Jim Hendrix dans les années 60, et en faisant sa thèse très babos de socio-anthropo, puis qui est devenue maître de conf et qui a travaillé sur le milieu métal dès les années 80, avec des énormes ouvrages qui ne sont qu'en anglais. Donc je vous souhaite une bonne lecture pour ceux qui veulent. C'est très intéressant. Pareil, alors après on pourrait parler des rédacteurs, des journalistes, des reporters, je pourrais parler des sites avec lesquels je suis partenaire, on pourrait parler d'Actu Musique sur Paris, on pourrait parler d'une centaine d'équipes qui travaillent, on est un ensemble de bénévoles partout en France à travailler autour de cette musique, quel que soit l'endroit dans lequel vous publiez, etc. C'est rare d'être payé pour écrire un article sur le métal. Quand je dis rare, c'est très 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 rare même. Hein, c'est pour toucher ne serait-ce que quelque chose qui vous paye le défraiement pour aller au concert, déjà on est content. En sociologie, pour se faire payer un article sur la musique métal, c'est pareil, je vous rassure, c'est introuvable. Mais ça a été pendant une époque revendiqué comme étant être journaliste métal, c'était bien vu. Aujourd'hui c'est un rêve pour beaucoup, c'est surtout beaucoup de boulot de bénévole, beaucoup de nuits blanches et peu de reconnaissance. Je parlerai juste de deux personnes qui ont très bien vécu de la musique métal à une époque. Tonton Zégut, pour ceux qui ont connu, qui était un super journaliste sur la musique métal, mais engagé, qui continue de publier, qui a toujours travaillé sur cet univers. Et un autre, plus particulier, que tout le monde a connu autrement, qui s'appelle Philippe Manœuvre. Voilà. Puis des grandes radios qui utilisent aussi la musique métal. Philippe Manœuvre a écrit des super articles récemment. Je suis pas spécialement d'accord avec tout ce qu'il a écrit, mais récemment, il a écrit des super trucs. C'est lui qui a interviewé Metallica quand ils viennent de passer en France. Hein. Il y en a beaucoup qui ont évolué à sa place, je pense. Et puis vous avez des radios comme OuiFM, qui sont toujours présentes sur un secteur métal. Intéressant. Je ne ferai pas l'inventaire de toutes les radios locales, des innombrables collègues avec qui je travaille pour avoir moi aussi mon émission radio, qui font, qui bougent, qui sont sur le Hellfest, ni de tous les webzines qui sont sur le Hellfest, le Motocultor, qui se tape le Sonisphère, le Brutal Assault, tous les festoches pour vous envoyer des photos, pour vous envoyer du boulot, pour vous envoyer un petit article, qui vous font des live reports, qui écoutent les CD avant vous, qui vous en foutent un petit article dessus. C'est un milieu énorme dans les différents acteurs. Donc je pourrais passer ma soirée que sur les acteurs de cette musique-là, sans pouvoir en citer que la moitié. Donc j'en arrive à une musique, une culture. Pourquoi je parle de musique, une culture? Je vais essayer de le faire en 2 minutes 30, ça. À l'origine, on parlait du métal en sous-culture. Relation négative avec le travail, ça parasite le métal. Pourquoi? Parce que déjà, le métal s'est fondé en opposition à l'ordre établi. Donc les valeurs du travail n'étaient pas les mêmes. Une des relations ambiguës avec la société de classe. Je suis désolé, c'est la partie un peu sociaux de la soirée. Des références davantage à des territoires, à des espaces donnés. Quand on parle de Clisson, pour les Parisiens, quand on parle de Glazard, d'ailleurs, il faut que j'aille visiter un de ces jours, la machine du Moulin Rouge, qui organise. Pour nous, à Tours, ce serait plutôt le Black Oak, qui a fermé récemment. On a tous des références à ces espaces publics. Si on vous parle de Clisson, aujourd'hui, on pense à Hellfest, ici.
Il n'y a personne qui sait qu'ils sont, il y a un petit club pour faire du canoë-kayak, etc. Je pense, on pense tous à une fête, on est bien d'accord. On a toujours cette référence. Une appartenance généralement dehors du cercle de la famille, quoique nous, on a la particularité d'avoir une musique qui dure depuis plus de 40 ans. Donc qui peut se permettre d'avoir une appartenance d'une génération à une autre. On peut très bien avoir été bercé par les Pink Floyd et avoir dévié vers Black Sabbath derrière, ou vers Metallica. Mais c'est spécifique à notre musique. Démarcation par des styles excentriques et exagérés. On va dire que ça se voit pas tout le temps. Je vous dirais que même habillé comme ça, vous allez donner cours à la fac devant une promo d'étudiants, je choquerai quand même. Un logo Motorhead, une chaîne, déjà avec des cheveux longs, déjà c'est pas bien pour un prof de fac. Hein. Ça passe pas partout. Pour des étudiants, ils ont la présentation de petits profs tout gentils, tout polis, etc. Il y a certains secteurs où on acclimate son image par rapport à son boulot. On a plein de gens qui sont obligés d'adapter leur costume métal à leur boulot, ce qui n'empêche pas d'avoir un style excentrique ou exagéré dans la vie de tous les jours. Dans leur rôle social, je sais pas, vous rentrez chez vous, vous en avez marre de foutre le costard du boulot, vous enfilez un bon t-shirt Sepultura ou Pantera, ça va mieux. Voilà, je pense que beaucoup vont se retrouver. Et un refus très général, cette musique, c'est un refus au départ de la banalité de la vie ordinaire. On est contre la massification, de manière générale, dans cette musique-là. Moi, j'écoute pas la variété, j'écoute pas Christophe Maé, j'écoute du Motorhead ou j'écoute du Metallica. Donc déjà, il y a un instinct de démarcation. Ce qu'on va retrouver dans les groupes qui démarquent leurs termes et leur classification de musique. Donc, je considère quand même qu'à partir de cette sous-culture, on est devenu une culture à part entière. C'est ce que je vous lirai un jour sûrement dans la thèse quand elle sera publiée, si un jour je trouve quelqu'un pour publier ce genre d'ouvrage. Ça devient une culture, pourquoi ? Parce qu'il y a des rites de passage dans le métal. Fut une époque dans le black metal, on offrait une cartouche chère aux 25 ans pour montrer son affiliation au black metal. Participer au Hellfest vous confère un statut particulier. Entre ceux qui sont allés et ceux qui sont pas allés. Hein ? Ouais, puis on se prend la tête, ceux qui sont pas allés tirent la gueule et ceux qui sont allés sont tout fiers d'y être allés. Ça donne pas le même statut. Une ritualisation des événements. Quand il y a un artiste qui vous bug dessus, tout le monde fait le signe de la bête et ça paraît normal à tout le monde. Personne va réfléchir, personne va faire peace and love en plein milieu, généralement. Donc on a bien une façon cohérente de ritualiser nos événements. Il y en a combien qui... Allez, pour être gentil, après la conférence, tu aurais pour aller prendre une bière. Sur une conférence sur le métal. Parce que festoche de métal égale bière. Tout ce qui parle métal égale bière. On a quand même les sponsors. Vous regardez le Hellfest, on a un très bon exemple. Les sponsors du Hellfest, bon, c'est la bière, bon, c'est Cronenbourg. On aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est de la bière à pas cher qu'on peut voir rapidement sur le fest. Jack Daniels. Le whisky Jack Daniels, c'est quand même une image métal depuis l'EMI. Qui le coupe depuis 98 avec du coca. Désolé. Et le Jaeger, récemment le Jaeger qui fait sa promotion que par le Hellfest, qui a très bien compris d'ailleurs, parce que le Jaeger, la grande force de cette marque, c'est d'avoir alpagué d'abord les presses. Tout en presse, on est rincé au Jaeger gratuitement au Hellfest. Après, on va prendre des photos avec le Jaeger et après, on va valoriser aussi ce type d'alcool. Ce qui fait qu'ils ont très bien géré leur affiche.